Bonsoir, bonne nuit, bienvenue à Let's Play quoi? Let's Play Live, oui, Facebook Live. On va jouer à Urban Revolt, oui, l'épisode 64. Donc, je vais tenter l'expérience, là, je vais voir que ça dit de jouer live. Je vais filmer mon ordinateur. Je ne sais pas ce que ça va donner, ça va être un bon résultat ou pas. C'est un test, j'essaye. Pour ceux qui le savent, là, j'en fais beaucoup de let's play là, de ce jeu-là. Donc, je vais me mettre directement mon ordinateur. Dans le fond, je vais filmer avec mon cellulaire sur mon ordinateur. Et je vais vous expliquer un petit peu en même temps c'est quoi mon deck que je vais utiliser pour cet épisode-là. Donc, voilà. Donc, là, je vais faire le switch de la caméra en avant, en arrière. Et c'est parti. Donc voilà, donc nous sommes rendus ici. Donc là, on voit peut-être un petit peu mes mains, je suis désolé. Donc voilà, bon, mon deck que je vais utiliser, je vais jouer en Elo. Donc là, on voit bien ici, là, on voit bien Elvis. Je vais utiliser dans le fond les Berserk et les Hives. Donc pourquoi j'ai utilisé, je vais faire ce mélange-là. C'est assez facile à comprendre. Moi, j'aime bien avoir des cartes qui ont beaucoup de punch à l'attaque, qui ont beaucoup, comme vous le savez, là, qui ont beaucoup de dommages, donc fait beaucoup de dégâts. Donc moi, je vais y aller avec, je me suis dit, je vais y aller avec Strigoi, le nouveau des Hives, donc qui est 8-7, qui est contre-coup, bien sûr, il y a contre-coup, mais c'est pas grave. Donc. Là, j'ai décidé de mettre Elvis, donc il a un stop pouvoir, donc le seul, et je me suis dit en même temps, pourquoi j'ai fait un mélange des deux? Ben, c'est que les Berserk et les Hives ont des cartes qui ont quand même pas mal de dégâts. Et, ils ont deux cartes vraiment qui font en sorte que j'ai choisi ça. C'est que Sylvia LD est 8-6 pour une 3 étoiles et Strigoi est 8-7 pour une 4 étoiles. Bon, OK, ils ont des contre-coups. Je sais pas si ça va bien fonctionner, mais j'ai fait deux combats, j'ai eu deux victoires. Bon, là, j'ai mis Elvis pour avoir mon stop pouvoir. Là, que je vais vous montrer Elvis ici. Par la suite, j'ai mis Melinda. Je vais peut-être essayer d'y aller en plus gros un petit peu là, pour vous montrer. Bon. Là, regardez, j'ai mis Elvis, Melinda. Melinda qui est à 5 étoiles, donc qui est défaite plus 2 vies. Elle, je vais tenter avec elle, voir ce que ça va donner. Elle ressemble un petit peu à Lola dans le temps, là, qui était 3 étoiles, qu'on pouvait mettre en Elo, mais qui était 6-4, défaite plus 3 vies. Là, elle, c'est défaite plus 2 vies. Donc, ça devrait quand même bien aller. Puis en plus de ça, elle est 7-6 quand même, statistiquement correct. Peut faire mal, donc peut embêter l'adversaire. Donc là, c'est pour ça que je mets Melinda, c'est que Milos ici va bien venir se mélanger avec ça, la défaite ici. Et il est revanche, moins 4 de puissance, minimum 4 en plus. Vous avez Sylvia LD qui est la carte, tant qu'à moi, là, qui est la carte que je vais mettre dans le fond. Dans mon deck qui est 8-6, vraiment dévastatrice pour une 3 étoiles. Elle cogne assez dur même aussi. Là, elle peut tuer quelqu'un, là, elle peut avoir jusqu'à 8 de dégâts. Oui, vous avez un contre-coup, mais le contre-coup, c'est pas grave. Quand vous knockez l'autre, ben, vous ne mourrez pas. Parce qu'avant, c'était minimum 0, minimum 1, donc ça pouvait vous nuire. J'ai mis Nameko qui est 6-5, moins 3 de puissance, minimum 6, donc qui est quand même correct. C'est pas la grosse carte, mais il y a de plus en plus de 9 de puissance qui traînent là, partout là, dans ce jeu-là, donc dans les lots, n'importe où. Donc lui, il descend ça à de 3, puis il met ça à minimum 6. Donc avec le bonus des Hives, ça peut être très intéressant. Nous avons Han qui est la petite réductrice des Hives, donc qui est moins 2 de puissance et dégâts, minimum 3, donc qui est moins 2, minimum 3, c'est quand même très bon. En plus de ça, avec le bonus des Hives, ça va très bien, donc ça peut faire très mal. Strigoi, que lui, peu importe s'il joue Hives ou pas, je vais toujours le mettre dans mon deck parce que c'est une machine, il est 8-7, possibilité d'être 8-9. Et Wave LD, qui est des fois en début de combat, si vous la passez, ben, peut faire perdre 4 pills à votre adversaire, ou 3 ou 4, là, consume, je ne sais pas si ça prend effet immédiat, mais qui consume les pills de l'adversaire, donc qui est très très fatigant, jusqu'à un minimum de 3. Donc voilà, ce qui est mon deck. Donc là, je vais revenir un petit peu, je vais redézoomer, parce que là, sinon, je ne pourrais pas jouer. Donc là, ici, c'est ça. Ça va être ça mon deck. Donc c'est parti, nous allons jouer... On va jouer en ligne, bien sûr. Donc, hey, vous me voyez là, hello! Vous me voyez comme en genre de...
OK. Là, c'est ça. Là, vous voyez, là, ma daily box, j'ai 5 en 10. Là, je vais partir ça. Donc là, c'est parti pour les combats. Donc là, je fais face à un. Je vais essayer de voir si je peux grossir un petit peu, si je peux. Ah, ben peut-être que je me mets en full screen, ça serait bien. Bon, mais voilà, je suis en full screen. Non, on ne voit pas très bien. Hein? OK, ben je vais redézoomer d'abord. Donc, comme ça, donc je crois que comme ça, non, il en manque un petit peu. Donc, je vais redézoomer un petit peu encore. Donc, c'est vraiment une adaptation, je m'en excuse. Bon, là, on voit quand même assez bien tout le combat. Puis, je vais tourner un petit peu comme ça ici, sans que ça touche. Là, je fais face à un biclan qui est Jungo et Fan Piclan. Donc là, il a joué Kamkon, que je savais que je jouais, parce que Kamkon, lui, c'est toujours en début de combat, il faut le jouer. Parce que là, notre adversaire, quand on est en low, on a 14 points de vie, comme vous pouvez voir aussi. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais-tu me laisser me frapper? Il y a de fortes chances que oui. Donc, je vais jouer Hun à 0 pills. Je vais me laisser me frapper. Je vais voir ce que ça donne. OK, bon. Vous voyez, là, il a mis jusqu'à 25 pills. C'est quand même bien. Donc, bon, c'est ça. OK. Là, je continue mon combat. Je m'excuse pour si ça fait un petit peu de. Normalement, je ne fais pas ça comme ça. C'est vraiment un test, là. Je ne sais pas si je vais. Bon, là, je vais y aller avec Wave LD. Je vais tenter de lui soutirer un petit peu de pills. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, je vais tenter. Donc, mettre la pression un petit peu ici. Donc, je vous reviens, ce ne sera pas bien long. Hello, je suis en live, vous pouvez m'entendre. Hello, hello, it's me. Je vous chante une belle chanson. Yeah. Je vous chante une belle chanson, hein? Je suis gentil. J'essaie juste, j'aurais dû arranger ça avant, mais là, j'essaie de faire quelque chose pour voir si la qualité de la vidéo est meilleure comme ça. Essayant d'emprisonner. Je ne serais pas capable, d'après moi. J'essaie d'emprisonner une couverture pour bloquer ça, ce soleil-là, mais prochaine fois, je vais faire ça dans une autre pièce, je crois, parce que le soleil il est fatigué un petit peu. Là. Donc, je suis désolé, j'ai essayé de cacher le soleil, mais ça n'a pas fonctionné. Regardez, si je le cache, on voit très bien. Donc, on voit pas très bien le soleil. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer quelque chose. Donc, ça se peut que ça bouge un petit peu pendant la vidéo, je m'en excuse. Je vais me déplacer un petit peu plus vers la gauche. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va enlever le soleil de la vidéo. Et par la suite, ça devrait être mieux. Donc, on se tasse. Voilà. Donc là, notre ami ici a joué. Donc, désolé du petit mouvement en direct. Donc là, je crois que c'est pas mieux comme ça. On voit bien quand même. Donc là, ici, c'était mon but de consommer ces pills. Bon, moi, présentement, il me reste. Je vois pas mes pills, par exemple. Là, on voit mieux comme ça. On voit bien les cartes quand même. Là. Bon, il a joué lui. J'en étais convaincu qu'il joue lui. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me laisser me frapper. Ou bien, soit qu'il va me frapper de 1 pills. Peut-être 0, je sais pas, je vais voir. Donc, bon, là, moi, j'ai pas gagné de match, mais j'ai fait mal. J'ai fait quand même quelques dégâts. Voyez ma belle main ici. Ça, je sais pas pourquoi. Donc, là, j'ai pas de revanche, par exemple. Là, donc, désolé, ça aurait pas fonctionné. Donc voilà, on continue à faire. On va continuer à faire la vidéo. Désolé si je rapproche un petit peu l'écran, là, ça devrait être mieux. Voilà. Donc on va checker, voir avec un fil, peut-être ça pourrait m'aider à avoir un meilleur. Pop, c'est quoi? Pop, pop, classique. Classique, c'est en eau.
noir et blanc. Donc, c'est une défaite. Malheureusement, mon premier combat, j'ai une défaite. Là je suis comme en mode, j'essaie de trouver, voir si je suis capable de... Mais non, ça vaut pas la peine. Donc, pas de filtre. Donc, c'est vraiment une expérience, là. C'est un petit peu, je dirais... C'est correct, l'image est quand même bien. On voit pas super, super bien, mais je peux peut-être me rapprocher un petit peu. Je vais tenter l'expérience, voir jusqu'à où je pourrais me rapprocher. OK, on voit bien comme ça. On voit quand même bien les cartes. C'est ça, on voit pas mon visage, là, comme on voyait souvent d'habitude. Mais c'est pas grave. Donc, on va enlever les filtres. Les filtres, voilà. Donc là, ici, notre ami a joué Shifu. Bon, lui, il a un deck Biclan, Geist ou Kankan. J'ai encore mes deux tirages, je change de côté là. Là, moi, j'essaie de faire le 3. Donc, avec un encore, ce n'est pas grave. J'ai décidé ça. Donc, pour la simple raison que ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, ma main ici, est-ce que ça lag encore? Je vais faire un test là, de. Donc voilà. Donc là, il m'a frappé de 2. Il a joué 2 pills. Moi, j'ai joué 0 pills. J'ai laissé me frapper de 3. Là, je vais voir qu'est-ce qu'il va faire. Je vais jouer Sylvia LD. Je vais la jouer à 2 pills pour essayer de faire mal le plus possible. Je ne sais pas si lui va se lancer avec soit Hugway ou Bengal. Ici, là, ces deux cartes-là. Là. Ben, Hugway ou Bengal. Mais d'après moi, il va peut-être jouer Kushuru aussi. Là. Je ne sais pas encore. Donc, c'est un test à faire. Donc, je sais pas si vous aimez ça en direct comme ça. Mais moi, je voulais faire ça pour les gens qui aimeraient ça me voir jouer en direct. Je pourrais parler avec vous. Si vous avez des questions, il y a même des membres qui m'avaient dit « Pourquoi tu ne fais pas de live? » Ben là, j'en fais. Donc, c'est sûr, la qualité d'image n'est pas terrible. Ce n'est pas la même qualité d'image que j'ai d'habitude. Par contre, mon ordinateur ne plantera jamais comme ça. Je vais toujours avoir le contrôle sur mon ordinateur. Parce que mon ordinateur, là, je filme avec mon cellulaire. C'est mon ordinateur qui travaille, donc il n'y a pas d'autres programmes qui roulent en même temps. Donc, c'est un test, là. Je ne sais pas si je vais rester comme ça ou pas. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, là, parce que cette vidéo-là, bien sûr, là, je vous parle comme ça. Elle va se retrouver sur Facebook, sur YouTube. Donc, en qualité, bien sûr, qualité... Ah, je savais, hein? Là, il est allé jouer Hugway. Donc, malheureusement, j'en avais des doutes. Donc, là, je crois que je vais perdre encore ce combat-là. Là, c'est un test de deck, là. Pourtant, ça allait bien tantôt. Là, il va sûrement y aller avec lui. Il y a des fortes chances. Donc là, si je me fais frapper, mettons, je me laisse frapper là. Mettons, je fais ça de même. Là, il va m'enlever 2 pills. Je ne sais pas s'il va jouer des pills. Là. Bon. Là, il m'enlève des pills, mais cependant, je ne sais pas si je vais avoir l'avantage avec mon ami. Non, parce que là, je me fais moins 3. Ben, ça va être une nulle. Donc, si jamais 9 x 9, 81. Moins 9, ça fait 72, mais là, il y a une étoile de plus. Donc, non, c'est ça, je ne suis pas winner. Donc, on va essayer mode plein écran, quitte à reculer un petit peu ici. Donc, les cartes sont un petit peu plus grosses. Donc, je m'excuse hein, du tremblement, tout ça, là, c'est vraiment un test que je fais, là, j'essaie de voir... pour vous que ce soit le mieux. Là. Bon, comme ça, je crois que c'est bien. On a quand même la marque de mon ordinateur, là, mais c'est pas grave. Ça va être coupé au montage sur YouTube, ça c'est sûr, certain. Je vais faire un corp, comme on dit. Donc c'est ça. Je vais continuer sûrement à faire des vidéos comme ça. Je trouve que ça va plus vite même. Donc, c'est juste qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'on. On voit pas bien, des fois la carte est comme trop est trop allumée. Il y a comme trop de. Je sais pas si c'est mon téléphone qui freak ou je sais pas. Donc, ok, là ça vient de faire qu'est-ce que je craignais que ça fasse. Donc là, bonjour, vous voyez mon visage, je reviens. Donc voilà. OK.
Je suis de retour. Donc, OK, là, ici, on a un tirage mono-piano. Ouais, c'est correct, là. Contre moi, ça a peut-être été un petit peu plus dur pour moi. Donc, là, je vais juste regarder quelque chose. Non. OK. Laissez-moi juste aller voir sur mon ordinateur. Si je baisse un peu la luminosité, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que je peux la descendre un petit peu? Enregistrer les modifications. Juste voir si ça va régler le problème de... Non. OK. Recommander d'abord. Voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais guère. Bon, OK. Ici, là, il essaie de m'empoisonner. Ça, c'est sûr, certain qu'il va essayer de m'empoisonner. Est-ce qu'il va empoisonner? Là est la question. Je ne crois pas. Donc là, je vais tenter de voir, disons, à 3 pills, de comme me backer dans un sens. Donc, voilà. Bon, ben, c'est bon, ça. Je viens de gagner le premier combat. Là, je suis à zéro. Je suis au plus bas. En nous, ça se peut pas. Je dois être à mon maximum. Je ne peux pas contrôler la luminosité. OK, c'est bon. C'est très bien. Très bien, oui. Très, très bien. Donc, excuse de vous montrer ça, là. C'est juste que je veux être sûr que sur la batterie, non. Sur le secteur, ça ne fonctionne pas. L'économisateur d'énergie, ça marche-tu? J'aimerais baisser la luminosité de mon écran, mais j'y arrive pas. J'en ai aucune idée pourquoi ça fait ça. Donc, ce n'est pas grave. Donc, je m'en excuse encore. On va se remettre en performance élevée pour que l'ordinateur réponde bien. Donc, je vais remettre un écran comme j'étais. Okay. Là, c'est à moi de jouer. Là, je vais jouer. Là, j'ai gagné. Fait que là, je fais quoi? Est-ce que je me protège avec Han? Puis là, il va m'enlever des pills. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais jouer Sylvia Hallyday à 0 pills. Là, j'essaie de voir ce que ça donne. Donc, voilà. Je ne sais pas si on peut zoomer avec ça. Ah oui, on peut zoomer. Ah, ben, regarde ça, toi. Désolé. Avoir su qu'on pouvait zoomer avec Facebook Live, j'aurais fait déjà le zoom. C'est pas grave. Donc, c'est ça. En gros, donc je vous invite, si vous voulez, là, à venir dans mon clan. Là, c'est les francophones, comme vous le savez déjà, je vous l'ai déjà montré. N'oubliez pas que vous êtes la bienvenue. Et j'aime pas du tout l'image, par exemple. C'est comme trop clair. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Là, mettons, je me mets en mode. Je suis comme. Correct de même, mais on voit pas super bien les choses. Fait que je vais rapprocher plus que je peux. Donc voilà. Est-ce que je suis trop loin? Peut-être. Donc si je dézoome ça, puis que je me rapproche encore plus, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce qu'on voit mieux les cartes? Donc je suis vraiment désolé, hein? C'est. Normalement, je filme directement avec. Là, j'ai perdu le round suivant, mais c'est pas grave. Là, je vais tenter de le mettre KO. C'est ma seule solution qui me reste. Donc, je vais mettre. Après moi, il m'a deviné. C'est pas grave. Je savais qu'elle allait faire ça. Donc, c'est moi qui ai mal joué. Donc, on peut voir que mon deck est comme ordinaire. Hein? C'est pas le meilleur. Présentement, c'est sûr. Donc, je ne sais pas si je penche l'écran. Si je fais ça comme ça. Si je tourne un petit peu. Non, ça ne change rien. On voit toujours la luminosité. Donc, c'est peut-être mon téléphone qui ne vaut pas de la merde aussi. Il fait pas des belles. Donc, ici, il a joué notre ami. Je vais reculer un petit peu. Reculer. Qu'on puisse voir tout le jeu au moins. Donc, Battle Last. J'ai perdu, malheureusement. Donc, c'est 3 défaites présentement que j'ai. C'est pas ce que je m'attendais.
Pas du tout. Même, je suis un petit peu déboussolé, comme on dit. Donc là, j'attends l'adversaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. On va réessayer. Allez, allez, y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un? Est-ce que je peux régler mon animosité? Je peux pas la régler. Pourquoi je ne peux pas régler? Ajuster. Ajuster. Là, 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 là. J'aurais descendu ma luminosité pour vous permettre de pouvoir bien voir l'écran. Mais ce n'est pas le cas. Si je mets ça au plus bas, ça ne fait rien. Donc, recommander. Donc, on va laisser faire ça. OK, là, je me fais face encore à à des piranhas. Piranha et Rio. Donc, je ne sais pas si je vais bien m'en sortir. Donc, là, j'ai encore mes deux contre-coups, mais c'est pas ce que je m'attendais. À date, le deck, je vais vous dire, là, le deck, c'est pas le meilleur deck. Ça risque d'être mon dernier combat parce que je me déçois moi-même un petit peu là, en ce moment. Là, au niveau de la qualité d'image aussi. Là. Bon, là, ça a l'air pas mal mieux un petit peu. Au niveau de la qualité d'image, c'est quand même bien, là. C'est pas la grosse coche, comme on dit. Cependant, je crois bien que je pourrais m'en sortir avec ce combat-là, mais il faut que je fasse attention quand même, là, parce que là, vous avez Sylvia Hallyday qui est là. J'ai Pierre Balthazar, il y a Hawking. Puis là, présentement, là, je m'en tire pas très, très bien. Donc, vraiment pas. Je voulais vous montrer que ce deck-là, c'est une idée de deck, mais d'après moi, cette deck-là va s'effacer puis je vais faire d'autres choses après, ça c'est sûr, certain. Je ne resterai pas avec ce deck-là, c'est pas le meilleur deck que j'ai conçu à date, là. J'ai gagné deux combats, ben ça fait toujours ça, hein, comme je vous ai déjà dit, là, je ne sais pas si vous en souvenez, là, ça fait toujours ça quand j'essaie de vous montrer quelque chose, ça ne marche pas. Donc là, il a joué lui. Je ne sais pas combien il va mettre de pills. Bon. Donc il a joué Red. Là, moi, ça me fait 5 de dégâts. C'est pas du tout ce que je m'attendais. Là, je me mets en plein écran. On ne voit pas très bien. Désolé. Donc voilà. Ça n'a jamais été super génial de filmer son écran, c'est sûr, là. Mais regardez, là, c'est pour le fun, je sais quelque chose. En même temps, ben, je peux faire un live, tu sais. C'est pas. C'est sûr, je pourrais peut-être prendre une meilleure caméra puis faire un meilleur résultat, ça c'est sûr certain. Là. Je pourrais toujours tenter de capturer mon écran puis l'envoyer sur Facebook Live, mais en même temps, ça vaut-tu vraiment la peine? Donc là, je vais essayer de me donner un coup. Je ne sais pas si il va avoir joué. Là. Donc, désolé, j'ai un petit message. Ça va être mon dernier combat, bien sûr. Présentement, là, c'est bien que j'ai fait, mais est-ce que je vais me faire knocker? Peut-être. Lui, il va peut-être y aller à fond de pain avec P.A. Balthazar. Regardez, je vais y aller avec qu'est-ce que je peux faire là. Donc, on va s'entendre que ce deck-là, c'est vraiment pas le meilleur. J'ai déjà fait mieux. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo là, live. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou pas? Qualité vidéo, c'est peut-être pas la meilleure, mais là, peut-être avec un montage vidéo, j'aurais réussi à faire quelque chose de bien là. Mais en Facebook Live, c'est sûr, ça sera jamais ça coche, comme on dit. Pourquoi je fais ça comme ça? C'est parce que j'ai pas un ordinateur assez puissant pour faire des lives avec OBS Studio. Quand j'essaie de le faire, ça ne marche pas bien. Donc, c'est sûr, je vais sûrement revenir comme avant, là, faire des lives avec mon visage. Vous voyez pas mon visage, mais vous savez à quoi je ressemble. Donc, je pourrais toujours revenir comme avant aussi, là. J'ai pas de problème avec ça. Donc, my God, ils vendent fort. OK. Donc, là, je vais attendre la fin du combat. Je ne sais pas ce que ça va donner.
mais c'est pas concluant. Voilà. Donc, je pourrais toujours revenir aussi sur mes questions. Mes questions, parce que là, je vous ai pas dit ça, mais j'ai. Là. Non, ah, ben, Colin, j'ai gagné. Ah non, ok, il baisse mes dégâts. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Donc, le moins 3 de. C'est quand même. Ursula, là. Cette carte-là est quand même assez puissante. Moins 3 de puissance et dégâts. Adversaire minimum 4. Donc là, j'ai perdu. Donc, c'est 4 défaites d'affilée. Donc, c'est pas ce que je m'attendais. Pas du tout, même. J'ai déjà fait mieux. Donc, voilà, une autre défaite. Donc, voilà. Donc, oui, je vais revenir avec les questions pendant cette vidéo-ci. Dans la prochaine vidéo, ça risque d'être demain. Voilà. Donc, ok, non, je vais juste montrer mon clan. Je ne sais pas si les gens ont commencé à revenir un petit peu plus actifs. Pas du tout. Ok, j'ai parti un jeu de bombe ici. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Je vais prendre mon vidéo dans mes mains. Ma chose dans mes mains. Donc, ici, là, petite bombe, vous voyez. Petite bombe. Là, vous voyez, là, le jeu, étant donné que notre ami Morden, ben Morden, je n'entends plus parler, semblait avoir disparu, là, je pars une petite bombe. Donc, voilà, les premiers prix, une carte de 10 000 clins, 5 000 clins, c'est un prix de consolation, surprise, troisième. Donc, c'est parti. Là, je suis rendu à 91, puis il n'y a pas personne qui continue. Donc, si ça vous tente de venir dans mon clan, ben ici en haut, là, les francophones, gênez-vous pas. À venir. Moi, ça me ferait plaisir de vous voir, parler avec vous, tout ça. Là, comme je vous ai dit, je vais revenir sur les questions bientôt. Inquiétez-vous pas. Ça va revenir. Là, présentement, je vous dirais qu'on voit beaucoup de Geist à cause de ça ici. À cause que Jack Seldé, il est en légendaire. Donc, c'est sûr que ça aide pas. Ça ici, je sais pas c'est quoi. Passage collecteur. Ok, c'est ceux qui ont passé collecteur. Ok. On peut acheter un paquet, je sais pas pourquoi, 5 stars, à quoi ça sert. Je pourrais aller lire, voir. J'étais un petit peu intrigué. Donc, Lacey Mac qui dit, comme prévu, Gil, Grim, Skip, Speggy, Flo et Lulabi deviennent CR, deviennent collecteurs. Donc, à partir de maintenant, bien évidemment, ils ne seront plus disponibles dans les packs et la boutique. Pour vous que puissiez faire vos réserves dans la prochaine fois, nous proposons le pack 5 stars, qui est uniquement composé de personnages à 5 étoiles. Un pack thématique valable 24 heures qui vous propose pour 70 crédits, 14 personnages de niveau 5, dont au moins 2 rares. Bon. Merci pour ça, mais moi, je n'achèterai pas parce que je trouve que ça ne vaut pas la peine. Donc voilà, là, je vais revirer la caméra, je vais vous montrer mon beau visage. Bon, eh bien, la caméra n'a pas reviré comme il faut et mon appareil laguait pas mal. Donc, j'ai décidé d'en faire une moi-même, une petite fermeture, une petite conclusion. Donc, je vous remercie. Je sais pas, je vais garder ce concept-là, là, le concept de filmer en même temps que mon téléphone. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Vous m'aviez demandé de faire du live. Donc, c'est un des moyens que j'ai trouvé à faire du live, du Facebook Live. Je vais essayer d'optimiser peut-être la place où le tourner. Tourner la séquence. Peut-être ça va être mieux avec moins de lumière. Là, j'ai trouvé une place là, où le faire là, chez moi. Donc, ça devrait mieux marcher. Donc, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de commenter. Dites-moi si vous aimez ça comme ça ou pas. Et en même temps, ben, si jamais vous aimez ça, ben, vous allez savoir que quand je vais en faire un, ben, je vais le mettre live. Donc, ça sera à vous à venir me voir. Donc, c'est Maître Fun qui vous dit merci! Il me dit aussi, bonjour, bonsoir, bonne nuit, au revoir, à la prochaine!